Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour de mon challenge 10 minutes pour perdre du poids. Et aujourd'hui, on va se tuer les cuisses, on va s'exterminer les cuisses, on va partir sur un circuit brûle-graisse et tonification au niveau des cuisses et des fessiers. Donc toutes les femmes qui veulent raffermir leurs fessiers, leurs cuisses, qui veulent lutter contre la cellulite, lutter contre la culotte de cheval, je vous invite fortement à faire ce training de la mort qui tue avec moi. Donc là, on va commencer sans plus tarder. On part dans 3, 2, 1... C'est parti. Ok, premier exercice, on trottine sur place. Trottine sur place. Si vous ne pouvez pas sauter, vous avez des problèmes aux genoux, aux chevilles, faites des petits déplacements comme ça, dynamique. Allez, on est parti. On reste positif, on sourit, la poitrine est sortie. Les abdos sont gainés pendant tous les exercices. Ils doivent travailler sur tous les exercices abdos. Si vous voulez les faire sortir, c'est important. Allez, là c'est le premier. Exercice, c'est tranquille. Restez positif. On va réussir ce training ensemble. Croyez en vous, c'est important. Allez. 1, ok, petite pause, super. Deuxième exercice, il va être fun. On va mettre des coups de pied sur le côté, comme ça. Bam. Mettre des coups de pied à nos ex. Coups de pied à nos haters, voilà. Je sais qu'il va vous plaire celui-là. Allez, c'est parti, boum, coup de pied. Bam, bam. Fuck les ex, fuck les haters, fuck ceux qui nous critiquent. Bam, ici, on serre les abdos pendant tout le long. Si c'est trop dur, on met juste le genou. On est timide, on met juste le coup de genou. Ok? Allez, on est reparti. Allez chercher loin le coup de pied. Allez chercher les haters ici. Rendissez-vous. Bam! On souffle. 5 secondes. Bam. Bam. Ok. Pour l'instant, c'est toujours facile. C'est l'échauffement. C'est important. Troisième exercice, burpees, cuisse. On va faire une burpees, on va se remettre en position chaise. On va pas faire le saut, ok? Ça va travailler de suite. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Let's go. Ici comme ça. N'hésitez pas à bloquer deux secondes. Les fesses le plus bas possible. Les cuisses bien écartées. Hop. Poitrine sortie quand vous remontez. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos mains devant pour équilibrer. Hop. Si c'est trop dur, on enlève le saut. On se remet comme ça. Allez. Bam. Ok, super. Quatrième exercice, on va encore frapper les jambes. On va faire un petit enchaînement de boxe. 1, 2, 3, hypercute. Ok, on trottine. 1, 2, 3, hypercute. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, hypercute. 1, 2, 3, hypercute. 1, 2, 3, hypercute. On souffle. Sourire, même si on frappe les jambes. Allez, ça c'est pour nos ex et nos haters qui commentent sur nos vidéos YouTube. Qui critiquent nos jambes. Allez, 1, 2, 3, bam. 2, 3, ça finit pas? Si? Ok, j'ai peur. Ah, ça fait 3 rêver ça. Tu fais ton training, au final ça finit pas. Ok. Cinquième exercice, c'est un nouvel exercice. Je me squatte, on me touche le sol, ok? Ok, tac, bam. Ici, on va chercher, comme ça. Hop, on m'a abandonné. Toujours, on m'abandonne pendant les trainings. Il se dit, vas-y. Il fait trop de boucan, lui. Allez, poitrine sortie, abdos gainés. Si c'est trop compliqué, on fait comme ça. On revient à l'intérieur, ici. Sans les sauts. Bam, allez, c'est reparti. Intensif, dynamique. C'est facile, on sourit. Allez. Ah, tranquille. Là, le cœur, il commence à monter 156 BPM. C'est pas mal. Au-dessus de 140, on brûle du gras. Donc, on est bien. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Squat. On va faire une élévation de la jambe vers l'arrière. Squat. Bam. Pour les fessiers, ici. Bam. Bam. Super. Ça, c'est pour les fessiers, ça. N'hésitez pas à mettre la jambe, à sortir le bras opposé à la jambe pour équilibrer le corps. Ça demande un peu de coordination, ça fait pas de mal. C'est important la coordination. Tu es à terre sur les squats. Ici. Ici. Ok, super. Ça commence, hein? Ok, on va passer au sol. On va s'attaquer aux fessiers. Allez. On va passer. Au relevé de bassin, hip thrust, ici,
Vas-y, ok. Une seconde en haut, une seconde en haut. On serre les abdos, on tape les fessiers. Pardon. Pour vous mettre sur les talons, si vous voulez plus solliciter votre fessier. La largeur des jambes, ça n'a pas d'importance. Enfin, si vous voulez travailler un peu les rotateurs externes, c'est-à-dire le petit et moyen fessier, vous pouvez écarter les jambes. Mais c'est minime. Faites comme vous êtes le plus à l'aise. Allez. Super, c'est facile. Ok. C'est bien. Prochain exercice, on va partir sur un kickback. Toujours pour les fessiers. Ici, levez la jambe. N'hésitez pas à bloquer une seconde. Allez, c'est parti. Boum. Montez le plus haut possible. Enfin, pas le plus haut possible. Arrêtez-vous avant la courbure de votre dos. Ici, c'est bien. Faites pas comme ça, sinon ça vous allez vous faire mal. Ici, gardez le dos droit. Facile. Voilà. Travaillez un peu les ischios, les fessiers. C'est magnifique, c'est tout ce qu'on veut. On transpire, on perd du gras. On se tonifie au niveau du bas du corps. Donc on est content. Allez. Ok, easy. On va faire la l'autre jambe. On ne veut pas se retrouver avec une fesse plus haute que l'autre. Ce serait bizarre. Du coup, je me mets de l'autre côté pour que vous me voyez bien. Ici comme ça. Allez. Ici comme ça, super. Voilà. On va chercher. On met un coup de pied vers l'arrière. On pense à ses talons. On contracte les fessiers volontairement une fois en haut. C'est comme ça qu'on va mieux les recruter sur les autres exercices. On travaille la neurotransmission, la contraction volontaire. Plus on est connecté à son muscle, mieux il va travailler pendant l'exercice. Et ça, c'est un très bon exercice pour améliorer sa neurotransmission. Ok. Exercice suivant. Ok, là, on va passer au chien qui fait pipi. Donc, on se met ici. Et là, on va lever la jambe. Ok. Ici, comme ça. Bam. Allez, c'est parti. Une. Deux. Bon, super. Là, je vais rajouter un petit bonus. Il n'y aura pas de pause entre cette jambe et l'autre. Quand ça va sonner, je veux que vous gardiez votre jambe en haut comme ça. Ok? Donc, ça fera 45 secondes de travail finalement. Allez, hop, 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 hop. Allez, on lâche pas. Bam, bam. Ah putain. Allez, là, on reste bloqué. 15 secondes. Ah, ça brûle. Dans les fesses, c'est important, c'est ce qu'on veut, non? Vous voulez des grosses fesses, non? Voilà. Reproduisez mes séances. Ah, allez, direct après, on passe à l'autre jambe. Ok, je me replace ici. Bam, comme ça. Allez, on est reparti. Allez, on lâche quoi? Ok, ce qu'on va faire après, on va bloquer pendant les 15 secondes de pause. Il n'y aura pas de pause. Et pour le dernier exercice, non plus, il n'y aura pas de pause. C'est des fessiers, faut les matraquer. On va passer sur des petits cercles après, je vous montrerai ça. Pour l'instant, allez, on souffle, le sourire, la poitrine. Allez, sorti, on est bien. Ok, on bloque en haut. Allez, c'est plus 15 secondes. Après ça, il restera avec 45 secondes de travail. Je crois, ouais, je sais pas, je sais même plus où j'en suis, mais en tout cas, il faut bosser. Allez, on lâche pas, bam. Ok, il reste combien? Il reste un exercice. Du coup, on va faire quoi? Vous allez me suivre sur celui-là. On va faire 15 secondes de cercle. Donc, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on part sur 15 secondes de cercle. Quand ça va sonner, on va passer à l'autre jambe, on va faire des cercles sur le jambe. Ok? Hop. Allez, comme ça, on le fait en même temps. Ça n'y a pas de tricheur, il n'y a pas de triche. Chaque vous, les gars, ne me lâchez pas. Je ne vous lâche pas, donc ne me lâchez pas. Je vous motive, donc motivez-moi. Ok, on passe sur l'autre jambe. Donc, mettons pour que vous voyez. Allez, après, c'est fini. Après, on aura fait notre sport de la journée. Ça fait du bien quand même. 10 minutes, c'est quoi 10 minutes? Ah, allez. Ok. Ah non, je crois qu'il reste. Qu'est-ce que je fais? Il reste un exercice. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit gainage. Bon, vu que j'ai voulu modifier le circuit, on part sur un petit gainage. Tranquille. Histoire qu'on ne fasse pas rien. Un seul. Allez. Allez, on lâche pas.
Ok, super. Je suis lanceur. Alors qu'on a fait les jambes, les gars. Super, je suis content. Je suis fier de vous, les gars. Et les filles qui ont suivi ce training. C'était magnifique. J'ai kiffé faire ça avec vous. Je suis KO. Du coup, on se retrouve demain même heure, 18h. Et là, on va se faire un training abdos et cardio. Donc, brûle graisse. Au niveau du ventre, les poignées d'amour, tout ça. Donc, ceux qui veulent travailler cette zone, n'hésitez pas à me rejoindre demain. En attendant, force à vous, restez fort et déterminés, l'argent à la mentalité.